في صدور الناس من الجنة والناس. Excuse-moi, akhi, tu dis pas صدق الله العظيم? صدق الله العظيم, tout simplement, akhi, il est pas mentionné dans le mushaf. Je sais pas, tout le monde le dit. Ouais, mais c'est ça le problème. La religion, c'est pas tout le monde. C'est قال الله, قال الرسول, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il lisait le Coran, il disait pas صدق الله العظيم à chaque lecture. Même bien que l'invocation صدق الله العظيم, Allah subhanahu wa ta'ala dit la vérité, est une évocation correcte. Mais regarde, par exemple, dans le mushaf ici, à chaque début de surah, il est recommandé de dire Bismillahir Rahmanir Rahim. On le retrouve ici, on le retrouve aussi en français. Mais regarde, à chaque fin de surah, à aucun moment tu vois Sadaq Allahu Al-Adim. Donc le fait d'ajouter une évocation spécifique à un endroit spécifique, à un moment spécifique, par rapport à un état spécifique, là tu rentres dans l'innovation. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a tout simplement dit de suivre sa sunna entièrement sans innover, sans y rajouter quelque chose.